Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des vlogs de Sylvie et Nana. Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire la génoise du gâteau d'Ethan. Enfin on va faire tout le gâteau ensemble, mais là je vais déjà faire la génoise, il va être 8h bientôt. Je la fais déjà maintenant parce que elle doit refroidir. Donc je vais vous montrer comment on procède. Donc tout d'abord, bon, moi j'ai fait pour 10 personnes, donc un bol. Dans le bol ici il y a 8 blancs d'œufs. J'ai oublié ma pincée de sel, j'arrive. Voilà, ben voilà, donc on met un peu de sel. À ça, on ajoute. Normalement, pour la recette, c'est 230 g de sucre, mais moi j'en mets que 200 parce que je trouve que c'est trop aussi. Hop. On met le sucre. Vous mettez en mode rapide si vous voulez. Et on bat très vite. Pendant ce temps, vous pouvez tamiser la farine avec la levure chimique. Je vous dirai les grammages quand ça sera battu. Je vais l'arrêter un instant parce qu'on ne peut plus arrêter à partir du moment où on ajoute la farine. Donc là, je viens de tamiser la farine. Il y a 230 g de farine, un sachet de levure chimique et les 8 jaunes de Hill. À partir du moment où vos blancs sont montés, il ne faut plus arrêter le robot.
maintenant que c'est terminé, je vais aller chercher mon moule et je reviens. Voilà, donc j'ai mis du papier parchemin dans mon moule. Vous voyez, c'est mousseux. Je vais essayer de mieux vous montrer. Vous voyez, c'est très mousseux. C'est pour avoir une génoise vraiment aérienne. C'est la génoise là que je fais pour tous mes gâteaux. On va verser dans le moule. Mes mains sont propres, je vous rassure. Et vous voyez, elle se lisse toute seule. Il n'y a pas besoin de lisser. Je vais l'enfourner ça. Alors, ça, 180 degrés chaleur tournante, il faut que votre four chauffe pendant que vous préparez la pâte. Et 40 minutes, voire plus, à surveiller parce que ça dépend de la quantité. Moi, c'est un grand moule, donc en général, je dois le laisser plus longtemps pour les quantités que je vous ai données. Je vous dirai combien de temps j'ai dû la mettre cuire. Donc, on se retrouvera plus tard quand la génoise sera cuite. A tout à l'heure. Voilà, donc ma génoise, elle est prête. Je l'ai coupée en deux, dans le sens de la longueur. Hop. Je vais déjà d'abord monter ma crème, comme ça, je peux la laisser au frais. Donc, je mets crème fraîche. Donc, je mets une bouteille de 500 ml. Enfin, 500 centilitres. Je mets ma vanille. Et je vais mettre 3 pots de 250 g de mascarpone. J'aime bien tout mon cœur. Donc en tout, on aura 750 grammes de mascarpone. Au préalable, mettez votre bol et votre batteur au congélateur et la crème mascarpone et la crème fraîche, vous la laissez 10 minutes au congélateur. C'est pas bien, c'est pas bien. Si tu peux éviter les grossièretés dans la vidéo. Bon, c'est bon de la voiture aussi. Donne parce que sinon, on va chercher encore. Je peux les enlever, aller les mettre dans la... Enfin, attends que je finisse la cuire. Avant, peut-être. Non, même si j'ai trop de crème, c'est pas grave. On peut congeler. En général, j'ai pas congelé parce qu'en général, quelqu'un mange. Voilà. Donc, à ça ici, on va ajouter... J'avais ouvert du sucre impalpable. Moi, je fais au pif parce que j'ai l'habitude. Si vous voulez peser, vous pesez. Mais moi, j'ai l'habitude, donc je la fais au pif. Voilà. On commence doucement. Pour éviter d'en foutre partout. Ça
pendant ce temps, je vais imbiber, donc j'ai préparé un sirop, tout simplement de l'eau chaude avec du sucre et de la vanille liquide. Je vais imbiber mon gâteau dans mes deux parties génoises. Augmenter un chia. Maintenant, on a à fond. Alors si vous avez vu que moi je le soulève, que je le fais bouger de gauche à droite, c'est parce que le fouet ne va pas sur les bords et ne va pas jusqu'au fond du bol. Donc c'est pour que tout soit bien pris. Voilà, ma crème a une bonne texture. Elle se tient, donc c'est parfait.
Moi, je vais couper là. Je vais la mettre au frigo pour qu'elle pose un peu, qu'elle reprenne un peu un coup de froid. Et quand je ferai le montage, je vous reprends. Voilà, donc ma génoise a bien refroidi avec le sirop. Ma crème a bien refroidi. Donc ici, je n'ai pas besoin de ça tout de suite. Là, pour l'instant, je n'ai pas besoin de colorer. Là, je vais hop, mettre de la crème à l'intérieur de ma génoise. Mon autre génoise est sur l'assiette à côté, vous la voyez. Là, je vais étaler. C'est pas grave si ça déborde, puisque de toute façon, on va couvrir aussi les côtés. Bien sûr. Voilà. Donc ici, je reprends ma génoise de tout à l'heure. On essaye de bien se centrer. On fait attention parce que c'est fragile. Voilà. Donc ici, je vais prendre de la crème et je vais ouvrir mon gâteau au complet. Je ne fais pas de crème au beurre, moi je j'aime pas ça, je trouve ça super écœurant, c'est pour ça que moi je fais des crèmes, crème fraîche mascarpone, et alors le fait que bah, la dose de sucre est beaucoup diminuée, que ce soit pour la crème ou pour la génoise en elle-même, c'est parce que je déteste les gâteaux qui sont méga sucrés. Je trouve ça écœurant la blinde. Pour moi, on ne peut pas profiter réellement d'un gâteau s'il est trop sucré. Donc, voilà pourquoi je limite à mort la dose de sucre dans ma génoise comme dans ma crème. Maintenant, si vous aimez bien le plus sucré, vous pouvez. Hein, c'est pas parce que moi je fais ça que vous devez faire comme moi. Hein. Oui, pour le coup, la plaque, elle n'est pas propre. Hein. La plaque ou le gâteau, enfin, elle est, si, elle est propre. Hein. On s'entend bien, je parle du fait que je suis en train de foutre de la crème partout. Mais ça, c'est pas grave parce que les bords seront nettoyés à la fin, bien sûr. Hop. Je vais remettre un peu de crème ici au-dessus. Je remets ma crème au frais pour pas qu'elle réchauffe. C'est bien important de remettre au frais. Entre eux, sinon vous allez avoir des catas. Maintenant on lisse.
Voilà. Maintenant, je remets ça au frais. Je vais préparer le bol. Ma main troisième. Voilà. Alors, je reprends ma crème. J'aurai besoin de 3 cuillères, c'est important. Donc, on remet au frais. Vu qu'ici j'ai besoin de faire du rouge, je vais ajouter une cuillère de cacao en poudre pour foncer. Je vais mélanger. Fais bien attention d'aller au fond. Bien sûr, j'en mets partout sur mes doigts. Mes mains sont propres, je vous rassure. Alors maintenant, je vais prendre mon colorant rouge. C'est la marque Vaillé. Excusez-moi, je me dépêche parce que c'est vraiment important que les crèmes ne restent pas à la chaleur. On agite bien. On fait attention parce que ça tâche. Et alors là, il va falloir doser parce qu'on veut rouge et pas rose. Et là, on est plus sur du rose. Donc, je vais rajouter. Je vais changer de bol aussi parce que. Enfin, je vais prendre un petit plat. C'est beaucoup plus facile. Le rouge, c'est la couleur que j'aurais besoin le plus. C'est pour ça que j'ai mis beaucoup de crème. C'est pas grave, ça me fera de la matière en plus. J'espère que ça suffira parce que je viens de mettre le restant du rouge. Ça ne suffira pas. Que je regarde dans ma boîte à malice en pâtisserie. Je vais vous mettre sur pause, je vais aller voir. Alléluia, j'en ai trouvé.
J'ai peur, pour être honnête. Plus des masses non plus dedans. Ça change pas grand chose. Ça m'embête. Il me fallait du rouge. Ça fait plutôt un vieux rose. Et je n'en ai pas d'autre. On fera avec, hein. Écoutez, nous allons faire d'autres. Je tranche avec vous, ça m'énerve, et pas qu'un peu. Alors maintenant. Oh. J'ai tout qui tombe. C'est là. Couleur qu'il me faudra le moins de ça, ça va. J'espère que j'en ai encore assez. Donc là, c'est le noir. Ok, donc je peux la mettre au frais. Et ici, donc là, c'est pour faire le bleu. En tout cas, les colorants alimentaires veinés, je ne les conseille pas. Parce que franchement, le rouge, il n'est pas génial du tout.
Mais ils vont vider le tube de bleu, j'aimerais trouver avec un bleu ciel. Heureusement que j'ai encore celui-là. Et bien attention d'aller au fond de votre bol. Pour bien enlever le blanc. Si vous avez plus facile, prenez des plus grands plats. Ça déborde. Ma maman m'avait acheté des colorants alimentaires sur Amazon. Et franchement, ceux-là, ils étaient géniaux. Il faudrait que je regarde. Ce qui est juste embêtant, c'est niveau qualité-prix, oui. Par contre, quantité-prix, pas du tout. Vous avez j'avais des pots à moitié vides, des pots à moitié pleins. Préparer ma première poche à douille. Peut-être déjà débarrasser un peu ici pour avoir plus de place. Je vais vous mettre sur pause, le temps de trouver ma douille. Bon, je ne trouve pas ma douille, donc on va faire plus simple. Vu que de toute façon, là, c'est pour faire le traçage. Je vais juste faire une petite ouverture. Je vais prendre ma marine de la pâte à l'eau pour enlever le colorant rouge. Je vais prendre le gâteau de ceci là. Je vais prendre ma crème noire. Je vous assure que des fois, il nous faudrait bien 22 mains dans ce genre de situation. Voilà, ma poche est remplie. Alors, j'ai fait un petit croquis de la tête de Spider-Man. Je vais le mettre ici. Et je vais faire les contours. Je tremble, donc j'espère que ça va aller.
Pour être honnête avec vous, je ne suis pas du tout, mais alors pas du tout satisfaite. Je suis agacée. Alors, maintenant, je vais redécouper pour avoir le contour des yeux. Je vais être honnête avec vous, trembler et en même temps être énervée parce qu'on n'est pas satisfait de ce qu'on est en train de faire. C'est... Ça m'agace. Je suis vraiment agacée là. C'est, je suis désolée hein, de pas avoir l'air positive là, mais il y a tout qui tombe par terre. Enfin, sur le papier, je m'en fiche, c'est pas grave, je ramasse après. Mais, je filme. Ça m'a pas l'air centré, ça va m'énerver encore plus. Ça m'énerve de trembler et le problème, c'est que plus ça va m'énerver et pire ce sera. Alors ici, délicatement, avec la tremblante, parce que je vais y arriver, on va enlever le papier. Pardon. Pour l'instant, je mets ma poche de noir dans le frigo. Mon rouge n'est pas de rouge.
Je la mets dans ma poche. Ici, on va remplir. Encore une fois, la vie repart au frais. Et alors là, il va falloir minutie, ce que je n'ai pas l'air d'avoir aujourd'hui, pour essayer de lisser le maximum. Et forcément, j'ai fini. Oh là là, mon Dieu, que ça m'énerve. On va dire que c'est bon comme ça parce que ça m'énerve. Alors maintenant, je connais pas l'emplacement particulièrement l'étoile d'araignée sur le visage de Spider-Man. De quoi faire du mieux qu'on peut. Excusez-moi pour mon silence, mais concentration.
Voilà. Avant de commencer les autres décors. C'est très laid, c'est très mal écrit, je sais, mais j'arrête pas de trembler, vous le voyez bien, je suis... Ça m'énerve. J'ai déjà ça de week-end, mais... J'arrive tout de suite. Hein. Je suis stupide. J'enlève ce qui ne peut pas être enlevé. Pour remplir ma poche de bleu, je vais mettre au frais. J'arrive de suite, hein. Donc là, c'est ma poche de bleu. Je laisse un espace pour pouvoir poser du faux rouge.
J'ai changé la douille de ma poche avec le rouge, bien sûr. Enfin, le rouge. On s'est compris, hein. Je reprends mon bleu. Je vais faire les contours. Je vous montrerai après. Vous voyez déjà ce que j'ai déjà fait en dessous avec le bleu. D'accord, j'ai un trou dans ma douille, génial. Pas dans ma poche. C'est pas grave. On va de... Malheur, malheur. Dans cette vidéo. Enfin, malheur. Il y a pire que ça dans le monde, hein. Je m'en souviens de ça. Quand on fait ça pour faire plaisir à son enfant et qu'on n'arrive pas à avoir ce qu'on veut, je pense que s'il y a des mamans parmi nous, vous me comprendrez. J'ai pris le restant de ma crème rouge et je vais combler les manques.
J'ai les mains dégueulasses, pleines de colorants. Donc voilà ce que ça donne. C'est pas beau, c'est raté. Je suis dépitée, énervée. Je vais mettre ça au frais et je vais stopper cette vidéo-là. Et je suis dans tous les cas, j'ai fini. Donc ça ne donne absolument pas ce que je voulais. Bon, je dois avoir des taches sur le visage. Oui, on voit que j'ai mangé une cuillère de crème noire. Enfin, j'ai enlevé ce qu'il y avait sur le cuillère. J'arrête là parce que ça... Je suis énervée, j'ai les mains dégueulasses. Je suis dépitée, ça n'a pas donné du tout ce que je voulais. Mais bon, tant pis, c'est la vie. On fera avec, j'espère quand même qu'Ethan sera content. Voilà, donc je vais terminer cette vidéo-là. J'espère que ça vous aura plu quand même. Je vous envoie plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye bye.